Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour Alain. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a une réunion cet après-midi, entre parents et professeurs? Vous allez venir? Je suis désolé, j'ai aussi une réunion importante au travail. Mais, ta mère va y aller. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. D'accord. Pas de problème. Bonjour. Vous êtes Madame Dubois, la mère d'Alain? Bonjour, oui c'est bien moi. Je me présente, je m'appelle David Lemaître. Je suis le professeur de dessin. Je suis ravi de faire votre connaissance, Monsieur Lemaître. David me parle beaucoup de vous. Il vous admire énormément. Oh c'est génial. Je voulais vous rencontrer, plutôt pour parler d'Alain. Votre fils est vraiment talentueux. Il a sa propre conception des choses, et, ça se voit clairement, dans ses dessins. Il s'exprime à travers son travail. Je suis très heureuse de l'entendre. Je pense qu'avec un peu d'encouragement, Alain deviendra un grand artiste. Nous faisons de notre mieux pour le soutenir. Je suis si fière et contente de voir que vous appréciez mon fils. Croyez-moi, vous serez plus fiers à l'avenir. J'aimerais bien accueillir Alain, dans mon atelier les week-ends, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Je n'ai aucun inconvénient. Au contraire, je serai heureuse de voir mon fils développer ses compétences avec vous. Alain sera fou de joie. Je prends plaisir à partager ma passion et mes connaissances avec les personnes douées, comme votre fils. C'est vraiment très gentil, de votre part. Oh, ce n'est rien. Maintenant, je vais m'excuser. Je dois parler aux autres parents. Vous pouvez aller voir le professeur de mathématiques. Il vous attend dans sa classe. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir Madame Dubois. Bonjour. Je suppose que, vous êtes la mère d'Alain Dubois. Oui, effectivement. Eh bien, Alain est vraiment intelligent, et discipliné. Mais, il ne porte pas beaucoup d'intérêt, aux mathématiques. Il fait rarement ses devoirs. C'est dommage de voir un élève, avec un haut potentiel, obtenir juste la moyenne, ou un peu au-dessus de la moyenne. Si vous voyez ce que, je veux dire? Oui, monsieur le professeur. Vous avez tout à fait raison. Je vais essayer de trouver des solutions pour le motiver. Très bien. Je pense qu'ensemble, nous pouvons l'aider. Absolument, merci infiniment. De rien. C'est mon devoir. À bientôt. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Marie Richard. Je suis la professeure d'anglais. Bonjour, je suis la mère d'Alain, Marie Dubois. Enchantée Madame Dubois. Je vais seulement prendre quelques minutes de votre temps. C'est un plaisir d'avoir un élève comme Alain dans ma classe. Il est sérieux, attentif et poli. Son attitude avec ses camarades de classe ne peut pas passer inaperçue. Il est hyper serviable et gentil. Tout le monde l'adore. Merci beaucoup, c'est agréable à entendre. Merci à vous d'avoir élevé un si adorable garçon. Maintenant, veuillez m'excuser, le devoir m'appelle. Oui, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée. À vous de même. Qu'est-ce que mes professeurs t'ont dit? Tous tes professeurs pensent que tu es un excellent élève. Et ton professeur de dessin veut t'inviter à son atelier. Oh mon Dieu, c'est génial. Tu peux y aller, seulement si tu me promets de faire tes devoirs de mathématiques et de travailler davantage la matière. C'est promis juré. Bien. Dans ce cas, tu peux y aller.